sauf des mouchards et des gendarmes. On ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes aux larmes, des veuves et des orphelins. Paris suinte la misère, les heureux même sont tremblants. La mode est au conseil de guerre et les pavés sont tous sanglants. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Bienvenue d'abord à tous pour cette vidéo que nous avons intitulée « Comment commune en bande décidée hein, ». C'est peut-être un mauvais jeu de mots, hein, mais vous allez voir, parce qu'on va aborder le sujet par la bande décidée. Donc, vous avez vu Aymeric, qui va être un des intervenants à l'écran. Hein. Vous ne verrez pas l'image parce qu'il est derrière sa caméra et il opère, c'est Christophe. Par contre, vous aurez à gauche de la tribune donc, Marine, notre libraire. Rola, moi-même, Bernard et France. Donc voilà l'ensemble des donc six intervenants sur cette vidéo. Donc voilà, les présentations sont faites. On peut brièvement rappeler quel est dans quel état d'esprit nous avons fait ce projet. Donc on n'a aucunement la prétention de faire œuvre historique. Hein. Nous ne sommes pas des historiens. Vous pourrez, pour si vraiment vous êtes passionné par le sujet, vous référer aux nombreux ouvrages et publications documentaires qui sont déjà parus sur ce sujet-là. Hein. Notre but est simplement, au-delà de ces commémorations, donc, de retenir de votre attention, de faire en sorte que vous ayez envie d'approfondir le sujet. Hein. Et la bande dessinée nous a semblé un moyen moderne et convivial et facile d'accès. Donc, trois bandes dessinées. La première, Le Kiki du Peuple, que certains d'entre vous connaissent sûrement, car le dessinateur est connu, il s'agit de Tardy, hein, d'après le roman de Jean Vautrin, et qui est paru aux éditions Casterman. La deuxième, ce sera Les Damnés de la Commune. C'est une œuvre de Raphaël Messan aux éditions Delcourt, dont certains d'entre vous ont pu voir l'évocation sur la chaîne de télévision Arte. Enfin, la dernière, il s'agit de Rouges Estampes, donc du dessinateur Gobi, et qui est paru aux éditions Stankis. Donc voilà les trois bandes dessinées sur lesquelles nous nous sommes appuyés. Et avec lesquels nous espérons que vous allez vous intéresser à ce sujet et vous en parler. Alors, je crois que Marine, maintenant, va vous présenter un peu plus comment les auteurs de ces bandes, leur style, leur motivation. Leur projet. Et leur projet. Alors, d'abord, on a choisi ces trois bandes dessinées parce que les auteurs montraient un même intérêt historique, une même volonté de témoigner d'un moment clé de l'histoire qu'on a voulu mettre en avant aujourd'hui. Le Cri du Peuple d'abord, de Jacques Tardy, aux éditions Casterman, adapté du roman de Jean Vautrin, parle de Horace Grondin, le sous-chef de la Sûreté, qui veut venger la mort de sa fille adoptive, Jeanne. Il est persuadé qu'elle a été assassinée par Tarpagnan. Le capitaine Tarpagnan va refuser de tirer sur la foule au moment où le peuple essaie de défendre les canons de Montmartre. Il passe à ce moment-là du côté communard dès le 18 mars 1871. Horace Grondin, le sous-chef de la Sûreté, va donc essayer de profiter des événements de la commune pour se venger.
Jean Vautrin a travaillé 3 ans sur son roman, avec l'espoir qu'un jour, il prenne vie sous la plume d'un grand dessinateur. Ça a été le cas grâce à Tardi, qui, après avoir fait l'illustration de la couverture, va travailler pendant 4 ans sur l'adaptation en bande dessinée. Jean Vautrin, dans la préface de la première édition de la bande dessinée en 2001, explique leur projet en disant qu'il a voulu raconter l'émergence d'un fantastique espoir de justice sociale, aller au plus près de la fraternité des hommes, parler des communards avec le parti pris libertaire qui est le sien et que partage Tardi. Même si Vautrin et Tardi sont très bien documentés, Tardi n'est pas un historien. Leur projet, c'était de parler d'une fiction avec, en se concentrant sur le récit, l'atmosphère et les personnages. Il nous offre ici, avec le cri du peuple, une fresque sociale avec des personnages attachants et au langage imagé. Ensuite, Les damnés de la commune de Raphaël Messant aux éditions Delcourt. Raphaël Messant découvre un jour par hasard qu'un de ses voisins d'immeuble a été un communard, Lavalette. Il part sur les traces de ce voisin en allant aux archives parisiennes et dans les bibliothèques historiques. Et pendant ses recherches, il va croiser Victorine, dont l'histoire va le bouleverser. Il décide de suivre ces deux personnages pour nous dresser une fresque historique, des événements de la commune parisienne. Il a choisi de mettre en avant non des personnages connus, mais plutôt des personnages inconnus, des gens du peuple. Pour réaliser cette trilogie, il a travaillé exclusivement à partir de gravures. Des gravures d'époque qu'il a commencé par photographier dans les services d'archives ou dans les bibliothèques historiques. Il lui a fallu 8 ans de recherche pour rassembler sa collection de journaux et de livres d'époque. Le dernier projet, c'est Rouges Estampes. Rouges Estampes, c'est une œuvre de Jean-Louis Robert, Carole Trébor et Nicolas Gobie. Donc, Jean-Louis Robert et Carole Trébor sont au scénario et Nicolas Gobie au dessin. C'est paru aux éditions Steinkiss. Donc, Robert, le scénariste, est un historien spécialisé dans l'histoire sociale européenne du XXe siècle. Un professeur émérite d'histoire contemporaine à la Sorbonne. Il est spécialiste aussi de la Première Guerre mondiale et de son travail porté sur les ouvriers parisiens pendant le conflit. Il a aussi présidé l'Association des Amis de la Commune de Paris de 1871. Il a même été conseiller historique pour le projet des damnés de la Commune. Carole Trébor, elle, est historienne, enseignante, réalisatrice de documentaires et elle s'initie sa première bande dessinée pour adultes. Et Nicolas Gobie est un dessinateur italien qui vit à Paris et qui travaille depuis longtemps en bande dessinée. Ils ont choisi d'imaginer un couple de héros, Nathalie Sestud, et qui est institutrice à Montmartre, un peu dans l'esprit de Louise Michel, et Raoul Avoir, un artiste graveur, qui va présenter et représenter les artistes engagés avec leurs idéaux et dans les réalisations de la commune. Bien, voilà donc Marine vous a un peu relaté donc le sujet d'intrigue de ces trois bandes dessinées hein, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. Bon, il n'est quand même pas inintéressant de se demander comment on a pu avoir connaissance de ces bandes dessinées. Alors bon, France, peut-être tu peux nous dire comment tu es venu là? Oui, bien sûr, c'est un peu particulier, puisque personnellement, je n'ai jamais été attirée par les bandes dessinées. Pendant le confinement, j'ai quand même beaucoup apprécié l'émission d'Arte faite par l'auteur des Damnés de la Commune. Donc, à l'initiative de Le Lion, le Camp des CGT de Montpellier, m'a amenée à me pencher sur cette forme d'écriture parce que le sujet m'intéressait. Voilà, donc peut-être Aymeric, qui est donc à la régie là et qui les images, vas-y, pour toi, comment t'es... Tu sais que tu es un grand amateur de bande dessinée, hein? Ouais, moi,
tout de suite été mordu par la bande dessinée à partir de la sortie du Pif Gadget, hein, avec de la bande dessinée d'aventure. Et puis, particulièrement aussi, de la bande dessinée plus récréative, les comics américains, puis de la bande dessinée de gare, un peu qu'on pourrait qualifier de pulp, avec de la bande dessinée noir et blanc, avec des dessins qui étaient toujours assez jolis, mais qui étaient de la bande dessinée de commande, on va dire, et qu'on arrivait à récupérer en grande quantité chez certains marchands de journaux à l'époque pour quelques francs. Je suis venu à la bande dessinée au niveau très récréatif quand j'étais gamin, et puis après, petit à petit, j'ai fait mon chemin et j'en suis venu à des choses un petit peu plus sérieuses, comme notamment le Cri du Peuple de Tardy. Roland, toi, aussi gamin, là, qu'est-ce que tu disais? Moi, je dirais comme Émeric, c'est vrai que gamin, c'était les lectures, c'était les premières lectures, que ce soit les journaux de Tintin, Pif, Mickey ou Spirou, ou les bandes dessinées américaines. C'est vrai qu'il y avait ça sur le marché, et je crois que... Alors, c'est vrai que tout à l'heure, Bernard disait, on considère en soi la bande dessinée comme un art mineur. Moi, je crois que ça permet, quand on s'accroche suffisamment, ça permet d'avoir une approche, je dirais, un peu plus intéressante par rapport à la lecture. En même temps, je pense que ça a contribué au fait qu'aujourd'hui, je dessine, je pratique l'aquarelle, et c'est certainement ça qui m'a mis un peu le pied à l'étrier. Et aujourd'hui, c'est toujours avec le même enthousiasme que je parcours le rayon des bandes dessinées à la médiathèque, que ce soit à Montpellier ou lorsque je suis dans l'Aveyron, à la recherche à la fois d'un récit qui relate un événement historique, mais raconté à l'aide d'un graphisme particulier. Et pour cette approche de la commune, qui est quand même un événement unique au niveau du pays, trois dessinateurs qui ont été présentés, trois styles totalement différent. Alors, comment ne pas plonger là-dedans? Oui, alors, bien, moi, pour ma part, j'avoue que je lis de la bande dessinée, mais je ne peux pas être qualifié de ce qu'on appellerait un grand lecteur. Donc, je suis arrivé un peu comme l'ont décrit Émeric et Roland. Hein. Par contre, mais j'ai subi un peu l'interdit parental, et certains d'entre vous, sûrement, connaissent bien ça, c'est-à-dire que la bande dessinée, considérée justement comme un art mineur, souvent, pour les parents, c'est quelque chose qui va perturber l'apprentissage de la lecture, de la littérature pour leurs enfants. Donc, il y avait cette crainte. Donc, j'ai lu Le Cri du Peuple, moi, il y a déjà, lors de sa première parution, hein, parce que Marine, justement, qui connaît mon intérêt pour tout ce qui touche au monde social, m'en a fait cadeau. Donc, vous voyez bien que, je crois, chacun d'entre vous qui nous écoutez, là, on peut arriver à s'intéresser à un sujet comme la commune, hein, à partir de ce média qu'est la bande dessinée. En tout cas, j'espère qu'on vous aura donné envie d'acquérir, si vous ne l'avez pas fait, ces ouvrages pour vous plonger dans l'événement. Je crois qu'il est bon. Maintenant, peut-être, on va essayer de décrire un peu le dessin, le texte. Le premier aspect, quand on parle de bande dessinée, c'est d'abord un aspect visuel. Donc, on a décidé de parler, dans un premier temps, du style et du dessin de chacun des projets pour pouvoir rentrer dans le sujet. Donc, pour Tardy, le graphique de Tardy, c'est plutôt un style narratif. L'important, c'est qu'on reconnaisse et qu'on écrive une histoire. Et il apporte une grande importance au décor. Et il a écrit de nombreuses bandes dessinées qui se passent à Paris, et on le voit dans son album. C'est un récit en noir et blanc, très sombre, qui illustre la misère et la noirceur de l'époque, avec de nombreux aplats noirs pour montrer cet aspect-là. Les cadrages des scènes sont parfois assez proches de celles qu'on pourrait retrouver dans les années de la commune. Ils ont travaillé tous les deux d'après les mêmes photographies et les mêmes gravures d'époque. Pour les années de la commune, Raphaël Messin n'est pas un dessinateur. Comme je vous l'ai déjà expliqué, il a compilé pendant 8 ans
des gravures. Il a ensuite scanné avec un scanner haute définition pour lui permettre de jouer avec les cadrages, comme on le voit bien là sur cette image-là, entre les deux vignettes du bas, pour pouvoir faire des zooms, jouer et animer ces gravures pour raconter mieux et animer le récit. Nicolas Gobi, lui, c'est un style plus mixte. On va alterner des dessins en crayonné, comme on peut le voir là, noir, et avec des rayons de rouge, assez dynamiques, avec beaucoup de hachures, et des gravures d'époque qui montrent et qui illustrent les décisions de la commune. Les dessins sont nerveux, le cadrage est dynamique, et ça va donner un rythme à l'album. Du coup, je vais en demander ce qu'on pense chacun. Ce que vous avez pensé des dessins ou du style de chaque album. Voilà, donc on va un peu s'écarter de l'avis de, j'allais dire de spécialiste, mais je crois que l'Amérique aussi, lui, sans être, mais ouais, quand même suffisamment intéressé. Donc comment tu vois les choses, toi? Moi, Tardi, je suis tombé dessus en congrès, j'étais dans un congrès de la CGT, et donc sur un stand de la librairie Diderot, je tombe sur ce gros ouvrage. Et Tardi, je connaissais parce que Adèle Blansec, et là je vois ce truc là et je dis ça c'est pas possible, il me le faut, quoi. Donc Tardi, j'ai été conquis dès le départ. Il y a une espèce d'aspect un petit peu poisseux. Moi, c'est en tout cas la façon dont je le qualifie qui me je trouve ça donne de la force au récit, c'est vraiment poignant. Dans les années de la Commune, j'adhère un petit peu plus aux propos sociaux et politiques. On apprend des choses, hein, avec ce document-là, mais j'appellerais ça plus un roman graphique. Hein. Enfin, c'est entre le roman graphique et la bande dessinée. C'est très particulier. Et après, par rapport à Rouges Estampes, dès le départ, là, par contre, j'ai été beaucoup moins convaincu. Et c'est après la lecture, après m'y être plongé dedans, que j'ai adhéré par l'histoire et par cette enquête policière qui est activement prenante. France, là, va vous donner un peu... Un petit peu, on va dire un peu différent, oui, parce que je n'étais pas jusque-là intéressée par les bandes dessinées. Donc, je l'ai lu quand même avec facilité et beaucoup d'intérêt, surtout les damnés de la Commune, mais aussi le Rouges Estampes. Par contre, j'ai eu beaucoup plus de difficultés pour le cri du peuple de Tardi. Parce que, entre ces nombreux personnages, son langage assez particulier, très fleuri de Pantruche, et là, j'ai dû relire une seconde fois pouvoir quand même après l'apprécier. Mais pour ma part, moi j'ai beaucoup apprécié donc aussi chez Tardi le dessin avec des aplats noir et blanc, hein, parce que ça traduit bien l'aspect sombre des conditions difficiles de vie du peuple parisien à cette époque-là, et le combat aussi très difficile qu'ils vont mener pendant, alors on dit 72 jours, hein, puisque c'est la durée de la Commune à Paris. Hein. Chez Messin, moi je suis resté absolument admiratif, hein, devant la qualité du travail graphique, donc le choix des gravures et leur signification politique. C'est vrai que bon, pour Rouges Estampes, au départ aussi, j'ai eu un peu de mal à accrocher, ce n'est qu'après, comme beaucoup d'entre nous là, que j'ai pu un peu mieux apprécier le propos. Voilà donc pour comment nous sommes parvenus. Donc simplement pour dire à tous ceux qui nous regardent qu'il y a divers moyens, quel que soit votre point de vue, vous pouvez aborder un de ces trois ouvrages, il y en a sûrement un qui va vous plaire et qui vous permettra donc de vous plonger dans cet événement historique incontournable. Alors, je dis événement historique, on va faire un bref rappel. Hein.
On a dit en introduction, nous ne sommes pas des historiens, nous n'avons aucune prétention ici universitaire, surtout pas, hein, et on ne va pas vous infliger de cours d'histoire. Néanmoins, la commune, c'est la commune de Paris de 1871, mais comment était-elle advenue? Et il est bien de resituer un peu la période historique précédente de ce siècle. Hein. Cette première moitié, donc, du 19e siècle, a vu déjà la révolution de 1830, qui met fin au règne de Charles X, mais débouche sur la monarchie de Juillet. La révolution de 1848 instaure la Seconde République. Cette Seconde République, qui va durer peu de temps, elle sera renversée 3 ans plus tard par le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, neveu du Napoléon que vous connaissez, dont certains veulent faire une commémoration et ne pas commémorer peut-être la Commune de Paris qui les dérange beaucoup. Et on va voir pourquoi. Donc, il instaure le Second Empire au début de 1852. On va aller très rapidement. Le 19 juillet 1870, la France déclare la guerre à la Prusse. On ne va pas relater les circonstances, la fameuse dépêche d'Ems, etc. Mais enfin, bon, c'est la France qui déclare la guerre à la Prusse. Le 2 septembre de la même année, la France est battue militairement à Sedan, nous capitulons, et Napoléon III est fait prisonnier. Le 1er mars, donc, il est fait prisonnier. Le 1er mars 1871, une nouvelle Assemblée nationale est élue. Elle ratifie un traité de paix, enfin, à peu près dans ce temps-là, hein, avec la Prusse, donc avec Bismarck. Hein. Peu de temps après, donc, les Allemands décident sur les Champs-Élysées à Paris. Le 4 septembre 1870, par contre, le peuple, alors cette Assemblée nationale élue, juste un mot sur la caractéristique, la majorité est une majorité qu'on qualifiera de plutôt réactionnaire, c'est la majorité provinciale. Par contre, la quasi-totalité des élus parisiens sont des élus républicains. Donc, le 4 septembre 1870, le palais Bourbon est envahi et donc la République est proclamée. Il existait déjà une garde nationale, hein, une garde nationale donc, pour défendre la Paris, la patrie. Hein. Fin septembre, on va le voir, les événements ne concernent pas que Paris, car les Lyonnais, et Roland va vous le dire, comme dans nombre d'autres villes françaises, la province, dans certaines villes, se soulève. Et donc, vous allez voir, l'événement n'est pas que parisien. Roland, tu veux ? Alors, pour comprendre comment la province, et en particulier Montpellier et sa région, ont vécu et suivi les événements de ce moment historique, je me suis documenté dans le journal républicain « Les droits de l'homme », édité à Montpellier. À cette époque, Jules Guesde, homme de gauche et journaliste, qui est président de l'Alliance républicaine, réside à Montpellier. Il est secrétaire de rédaction de ce journal. Début mars, il signe quelques articles, mais lorsque les événements de Paris se précipitent, il en devient l'éditorialiste principal. Durant les événements de la Commune, on est loin de l'information en temps réel que l'on connaît aujourd'hui. Les nouvelles arrivent par les dépêches télégraphiques ou le courrier qui, lui, est acheminé par le chemin de fer, quand il n'est pas retardé ou censuré. Ce n'est donc que le 22 mars que le journal relate les faits qui se sont produits à Paris le 18 mars. Les articles des jours suivants font état de troubles à Lyon, Marseille, Saint-Étienne, Toulouse, Narbonne, Le Creusot. On apprend aussi que de nombreuses villes ou villages du département, des réunions publiques sont organisées avec la volonté de mettre en place
des comités de soutien à la Commune de Paris. Le 31 mars, par exemple, les lecteurs prennent connaissance du manifeste du comité des 20 arrondissements de Paris, ainsi que la proclamation de la Commune de Narbonne, Coursal, Saint-Bosile-de-Putois et Cournon-Terral. Les idées républicaines sont très présentes dans le Midi, et jusque dans les plus petits villages, des adresses sont envoyées à Versailles pour exiger, au début du mouvement, la démission de l'Assemblée nationale, puisqu'elle n'a plus son rôle à jouer, ayant été élue pour signer la paix, et la tenue de nouvelles élections, ensuite, pour que des négociations aient lieu afin d'éviter une guerre civile. Voilà, donc on ne va pas, Roland a cité donc, toutes les villes. Simplement, je dirais que tout à l'heure, on a évoqué la Commune de Paris, et les communes de province ne sont pas venues comme ça. Les villes qu'a cité Roland, en particulier Lyon, Saint-Étienne, Le Creusot, sont des villes où il y a déjà eu, l'année précédente, de puissantes manifestations ouvrières et où le pouvoir impérial n'a pas hésité à user de la répression en faisant tirer l'armée sur la foule où, comme à la Ricamari, il y a eu 14 morts. Peut-être là, on va examiner quels sont les personnages qui sont mis en scène dans les trois bandes dessinées que nous avons évoquées. Hein. Et donc, on va revenir peut-être à ces personnages en commençant par le premier, un personnage qui s'appelle Victorine dans la bande dessinée, qui a réellement existé, dont le nom complet est Victorine Brochet-Rouchy, car elle était mariée deux fois. La Victorine des damnés de la Commune, c'est sûrement elle. C'est un vrai symbole communard. Elle est effacée de l'histoire, mais elle a une vie qui syncrétise tout ce que les femmes de l'époque ont subi. France, je crois qu'il s'est penché un peu plus sur le cas des femmes, leur rôle dans la Commune. Voilà, je me suis intéressée surtout au rôle des femmes dans la Commune. Et donc, pour en revenir à Victorine, elle publiera en 1909 ses souvenirs d'une morte vivante. À 10 ans, la troupe brutalise sa mère en venant arrêter le père. Elle en perd la mémoire, elle a été mariée contre son gré et elle vit toute cette misère du peuple qui était l'ambiance générale de l'époque. À 2 ans, son fils, après une chute, reste handicapé. Elle a un deuxième enfant qui mourra aussi très jeune. Par contre, elle a une activité très intéressante au plan social. En 1867, malgré la maladie de son fils, elle fonde une boulangerie, une épicerie coopérative avec l'Association internationale du travail. Elle a toujours voulu être utile aux autres. En 1870, alors que Paris est assiégé par des Prussiens, elle s'engage comme ambulancière de la garde nationale. Elle ne pouvait résister au besoin d'entrer dans la lutte comme d'autres pétroleuses. Et elle encourage d'ailleurs fortement son mari à y entrer aussi. Ce rôle des femmes est également évoqué par les journalistes et par Jules Gad. Hein. Comment ? Alors, moi je résiste pas au plaisir de vous dire quelques mots sur l'édito qu'il a publié le 23 avril. On est à la veille d'élections importantes. Et donc, il s'adresse aux femmes qui n'ont pas le droit de vote. Je voudrais simplement rappeler une chose, c'est qu'en Angleterre, la Chambre des communes a pris la décision de donner la possibilité du vote pour les femmes. Et en France, bon, il faudra encore attendre quelques belles années. Donc, le 23 avril, dans son édito, il dit ceci. Vous n'êtes pas électrice, c'est vrai. La loi vous tient éloignée des urnes, où s'agite pourtant votre sort et celui des êtres que vous aimez. Mais si le vote vous est refusé, vous avez les votants. Selon que vous agirez dans un sens ou dans un autre, selon que vous patronnerez telle ou telle liste,
la paix ou la continuation de la guerre, de l'atroce guerre civile qui fait rage sous Paris, sortira du scrutin du 30 courant. Et il termine en disant « Nous sommes la paix, nous, et nous sommes la liberté, nous représentons l'autonomie communale et l'intégrité du foyer domestique. Que les femmes en soient bien convaincues et la France sera sauvée une fois de plus. » Et Émeric, je crois que il y a une chose qui m'interpelle. Alors, on le voit à l'écran, d'ailleurs. Hein. Oui, on le voit à l'écran. On fait dire à Victorine, hein, une phrase qu'elle a bien prononcée, hein, souvent, j'éprouve le besoin de m'occuper des affaires des autres. Alors, pour toi, syndicaliste, là, c'est peut-être provocateur, ça. Non ? Ah, tu as fait un lapsus. La phrase, c'est « j'éprouve le besoin de m'occuper des affaires de mon pays ». Ouais. De mon pays, ouais, oui. Pays. Bah oui, oui. Donc, quelque part, de nos affaires, hein, de nos affaires communes. Et bah ouais, ouais. Bah, moi, ça me parle énormément. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on l'a mis dans le visuel. Ouais, j'aimerais aujourd'hui l'entendre beaucoup plus, voir un peu cette participation-là un petit peu plus, notamment dans les entreprises, hein, en tant que syndicaliste à la CGT. Ouais. On sait que Victorine, elle a participé aux réunions de l'Association internationale des travailleurs, comme l'a dit France précédemment. C'est aussi évoqué d'ailleurs dans Le Cri du Peuple par le jeune Zike. C'est une militante, féministe, c'est une militante anarcho-communiste. Et tout ça, ben, ça fait aussi partie de l'héritage de notre syndicat, la CGT, et on le porte à notre manière encore aujourd'hui. Oui. Oui, France a signalé que donc le mouvement coopératif et mutualiste est très présent donc à cette époque-là. Alors pour des raisons humanitaires, mais également aussi pour des raisons de restrictions qui étaient faites par le Second Empire aux libertés. Donc à cette époque-là, donc dès 1870, les années 60, un empire déliquescent, hein, et qui est obligé de lâcher du lest, donc d'autoriser certaines formes d'association, hein, qui jusque-là, le droit de s'associer, vous connaissez la fameuse loi Le Chapelet, hein, et enfin les décrets Allarde qui interdisaient le droit d'association. Voilà donc pour Victorine, cette brève présentation d'un personnage quand même important dans les... Je crois qu'elle apparaît dans les trois bandes, Marine. Hein. Non. Elle est surtout présente dans les années de la Commune. Ouais. Et après, il y a une autre Victorine qui sera évoquée, parce qu'il y a deux personnages qui s'appellent Victorine, mais c'est pas la même. Voilà. C'est pas la même personne. Alors, après, on a choisi d'évoquer un personnage qui, lui, est connu parce que bah, il est resté dans la postérité. Parce que c'est un grand artiste, un grand peintre, donc c'est Gustave Courbet. Donc, Martine, qu'est-ce que oui, tu peux nous dire ? Oui, je voulais dire d'abord que dans Rouge Estampe, il y a beaucoup d'artistes qui sont évoqués. Le héros d'abord, et puis d'autres aussi, les artistes pauvres qui vont être beaucoup engagés. On en parle beaucoup pour leur engagement, notamment dans la garde nationale. Et puis, parmi ceux qui sont un petit peu plus évoqués dans la BD notamment, il y a dans Le Cri du Peuple, un photographe, qui est le photographe Théophile Mirecourt, qui va être très présent, qui va être un témoin important, il va photographier les barricades, les acteurs de la Commune, il est correspondant du journal de Jules Vallès, Le Cri du Peuple, mais il va aussi prendre part au combat. Parmi les artistes plus engagés, qu'on connaît plus, qui sont les plus connus, un des noms qu'on a retenu dans les albums, c'est Gustave Courbet, parce qu'il est présent dans plusieurs albums. C'est peut-être pas le plus communard ou le plus emblématique, ni le plus radical, mais il reste un symbole de l'engagement des artistes dans la révolte, comme Verlaine ou Rimbaud. C'est le peintre du fameux tableau « L'origine du monde » qu'on voit sur la diapositive, puisqu'il le présente à ses amis après l'avoir peint. En bas de l'écran, hein, vous voyez la présentation du tableau par Gustave Courbet, si vous pouvez le distinguer. Mais moi, Gustave Courbet, j'ai fait quelques recherches. Donc, c'est un peintre qui est chef de file du courant réaliste.
Et c'est un élu républicain dans le 6e arrondissement de Paris, et délégué aux Beaux-Arts. En septembre, alors on le voit sur l'image, avec les pieds sur la colonne vertébrale. Il faut savoir qu'en septembre 1870, il a mis en place une pétition demandant au gouvernement de déboulonner la colonne Vendôme pour ce qu'elle représentait. Le 12 avril, la commune décide sa destruction, et bien qu'il n'ait pas, ne l'ait pas voté, puisqu'il n'a été en poste qu'à Colbert, il assiste à sa chute le 16 mai, il est présent d'ailleurs sur quelques dessins. Le 13 avril, il convoque les artistes dans le grand amphithéâtre de l'école de médecine et plus de 400 répondent à son appel pour fonder la Fédération des artistes. Condamné à une peine de prison pour sa participation aux événements de la commune, il a aussi par la suite été condamné à payer sa reconstruction. C'est un peintre qui a séjourné dans notre département à plusieurs reprises et dont le musée Fabre possède entre autres l'un de ses tableaux qui est intitulé « Le bord de mer à Palavas ». Oui, on peut dire aussi que Courbet, apparemment, c'est un bon vivant. Hein. Il est président, comme l'a dit Roland, de la Commission des Arts, mais il protégera particulièrement, parce que l'époque est très, très animée, beaucoup de combats dans Paris, hein. Donc il va protéger les œuvres du Louvre, des Gobelins, du Luxembourg, en les faisant emballer et déplacer pour les mettre à l'abri. Hein. Non pas pour les soustraire au peuple, mais pour que justement le peuple puisse les retrouver lorsque le conflit serait terminé. Donc c'est un personnage truculent quand même, hein, parce qu'il est médaille d'or en 1879 au concours de dégustation de bière de cette même exposition. Donc on voit que c'est quelqu'un qui aime la vie. Donc cela, on a reproché aux communards de vouloir la guerre, de vouloir d'être des gens qui voulaient se, hein, aller au combat et se faire tuer. On est très loin de l'image avec lui que veulent abandonner les Versailles. Je ne sais pas, peut-être qu'Emeric a deux ou trois mots là sur... Alors Courbet, ouais. En 70, il faut savoir quand même qu'il refuse la Légion d'honneur que lui décerne Napoléon III. Donc ça assied un petit peu le personnage. Très favorable à la commune, il n'est cependant pas élu car il est sixième sur les quatre places qui étaient disponibles et sera condamné par MacMahon en mai 73 à financer à ses frais la reconstruction de la colonne Vendôme. Donc on constate déjà que la bourgeoisie, toujours revancharde, elle n'hésitait pas d'entrer à taper au porte-monnaie. Oui, alors, donc... Allez, à l'écran, je crois qu'on va vous montrer quelques artistes célèbres, hein, parce qu'il n'y a pas eu que des peintres. Il y a eu aussi des écrivains, hein, c'est entre autres Verlaine et Rimbaud. Mais France, je crois que quand même certains écrivains, et pas des moindres, hein, et qu'encore on nous enseigne beaucoup à l'école commune, hein, ont eu la dent très dure. Cet événement de la commune. Voilà, justement, des écrivains célèbres qui vont écrire des articles vraiment ordurier à l'égard des communards. Et à ce propos, on peut citer Georges Sand, pourtant consacré par la littérature comme un symbole de la femme libre. Ou Gustave Flaubert, qui pour le moins en fait preuve d'une totale incompréhension et de la violence vis-à-vis des voyous de la commune. Zola, journaliste, écrit dans le Sémaphore de Marseille à propos de Paris, je cite, « Le bain de sang qu'il vient de prendre était peut-être une horrible nécessité pour calmer certaines fièvres. » Et par ailleurs, je rajouterai que Zola a tenu des propos vraiment horribles vis-à-vis des femmes de la commune. Par contre, à l'opposé, on a un Verlaine qui déclarera que le comité central a justement posé la question sociale et la nécessité de la résoudre. Rimbaud, qui n'avait que 17 ans, donnera une description des Versaillais à l'encontre de l'histoire fabriquée par la bourgeoisie. Et il dépeint, je cite, « la suprême poésie de la ville révoltée » et s'élève contre les accusations portées envers les communards. Alors,
À l'opposé, oui, et dans le même sens que Rimbaud, on peut citer comme écrivain, évidemment, incontournable poète du siècle, et Victor Hugo. Alors, là, c'est un peu plus, peut-être, nuancé. Victor Hugo n'a pas été présent à Paris, donc en 1870, car il va, hélas, enterrer son fils Jacques Lecoq. On verra que d'ailleurs le peuple parisien reconnaît l'homme qui, si en 1830 était monarchiste, et depuis 1848 et les répressions qui ont suivi, devenu quand même, alors pris fait et cause pour le peuple, est devenu républicain. Hein. Donc il est représenté dans le cri du peuple par ce témoignage du peuple parisien, hein, lors de l'enterrement de son fils. On permet ce peuple, malgré les combats, le peuple permet au cortège funéraire de franchir les barricades, et donc avec les tirs s'arrêtent, donc le silence se fait, et donc on voit que quand même ce personnage est très, très républicain et très apprécié. Le Victor Hugo, oui, après a été quand même n'a pas participé, on peut dire, à la Commune, car c'est un républicain qu'on pourrait qualifier de légaliste. Hein. Pour lui, l'Assemblée nationale a été élue en février 71. Donc, le peuple s'est exprimé, il y a des élus, il faut respecter ce suffrage universel, même si je le rappelle, hein, c'est un suffrage à 50%, hein. C'est un suffrage puisqu'on n'a pas le vote des femmes, mais bon, pour lui, c'est comme ça, le peuple doit respecter cela. Sûrement, une explication à son incompréhension au début des premiers combats. On va essayer de vous présenter un autre personnage, hein, qui lui, par contre, qu'on n'a pas réussi à effacer hein, et à détacher de l'événement de la Commune de Paris en particulier, qui est Louise Michel. Marina, oui. Louise Michel, c'est un des personnages qui va être commun aux trois œuvres. Elle ne prend pas forcément une place importante, mais elle est traitée vraiment comme un symbole. On va la voir dans les trois. Elle va être une inspiration pour certains des personnages, comme le personnage, l'héroïne de Nathalie, qui s'étude dans Les Rouges Gestants, où elle tient des propos qui auraient très bien pu se placer dans la bouche de Louise Michel. Ou alors, quand on parle de ses propos dans Le Cri du Peuple, sur l'éducation et sur l'école. Oui, Louise Michel, c'est la figure emblématique de la Commune. Peut-être la seule dont la bourgeoisie ne peut éviter la commémoration, elle qui reste dans l'imaginaire populaire. Peut-être aussi parce que c'est la seule femme de la Commune dont on parle dans les livres scolaires. Elle est mentionnée. Mais il faut quand même dire aussi que, venue faire une conférence à Montpellier après son retour d'exil, elle sera très mal reçue. Et ça, vous pouvez encore le voir, puisqu'il y a encore une expo de la Bibliothèque nationale de France sur l'esplanade à Montpellier, où c'est très bien décrit la façon dont elle a été très mal reçue. Peut-être quelques mots de plus sur les journalistes. Alors là, je me retourne vers Roland, ce Jules Balès, là. Voilà, parce que... Alors, on peut dire de Jules Vallès, tout le monde le connaît, c'est un journaliste écrivain, et c'est quand même aussi un homme politique, et qui participe activement à la Commune. En janvier 1871, il est l'un des rédacteurs de l'affiche rouge, dont le texte se termine par ces mots, « Place au peuple, place à la Commune ». En février, il fonde le Cri du Peuple, journal le mieux vendu, durant l'épisode de la Commune. Le 2 mars, il est élu du 15e arrondissement. Menacé de mort dans la semaine sanglante, il fuit Paris pour la Belgique et puis l'Angleterre. Il reviendra par la suite lorsque l'amnistie sera votée. Alors, ce que j'ai relevé aussi en regardant sur Vallès, c'est qu'à un moment donné, on le donne pour mort pendant la période de la semaine sanglante. Or, il semble que des personnages qui ont participé à la Commune
et étaient confondus, qu'on ait pris ces personnages-là, deux personnes, qu'on ait pris ces personnages-là pour Jules Vallès, et donc ces personnages-là ont été fusillés. Oui, alors, on peut dire quand même deux mots, il faudrait insister beaucoup sur la Commune a été, c'est un événement très bref, hein, deux mois et demi, mais porteur de d'espoir, de changement social profond. Et là, qui portait des valeurs, on dit la sociale. Hein. Et on voulait une république démocratique, sociale et universelle. Alors, Roland a parlé de Jules Vallès, mais moi, il me semble qu'il y a un personnage dans l'universalité réclamée par le peuple français, qu'on doit citer, qui s'appelait Léo Frankel. Et c'est remarquable, parce que ce Léo Frankel n'est pas français. C'est un émigré hongrois, et le peuple de Paris va le propulser à la tête de la commission du travail, hein, et il va, en quelque sorte, jeter les bases d'un rudiment de code du travail, hein, puisqu'à l'époque, cela n'existait pas. Emmanuel, peut-être, je crois que là, ça interpelle le syndicaliste, là, quand même. Oui, ça interpelle, et dans ces bandes dessinées, il y a énormément d'éléments qui interpellent le syndicaliste, et notamment les liens qui sont faits entre la question du chômage, la question de la protection des travailleurs, des protections des conditions de travail. Et alors, sans spoiler, comme on dit, la bande dessinée Rouges Estampes, je pense qu'à la page 47 et 48 de cette BD, il y a vraiment dans l'histoire qui illustre parfaitement ces conditions-là. Et c'est ceux qui arrivent à Victorine de Rouges Estampes, hein, ne pas confondre avec la Victorine qu'on a évoquée juste avant. C'est pas les mêmes personnages, mais c'est un personnage de cette bande dessinée qui a eu un accident de travail, qui est obligé de se prostituer, qui se fait battre et qui est dans une situation sociale particulièrement terrible. Et c'est vraiment quelque chose de frappant, quoi. Donc oui, il n'y a aucune couverture, et c'est quand même pendant la Commune qu'on a jeté les bases de ces idées qui sont là pour cadrer le travail et protéger les travailleurs. Donc oui, on n'a pas le temps de décliner toutes les mesures, hein, qui seront prises pour protéger le monde du travail, mais en particulier donc toutes les amendes qui étaient infligées aux ouvriers, l'interdiction du travail de nuit dans les boulangeries et bien d'autres mesures, hein, que la Commune a si peu de temps a su prendre, et Léo Frankel les a prises dans les deux jours qui ont suivi sa nomination. Hein. Juste deux mots là, parce qu'aujourd'hui, je lisais dans mon journal que la période de non-expulsion des locataires qui ne peuvent pas payer leur loyer est finie, et la Commune de Paris a su prendre une mesure radicale de moratoire des dettes de loyer. Hein. Aujourd'hui, il y a 600 000 Français qui sont passibles d'être expulsés de leur logement. Donc toi, Roland, qui est militant de... la terre. Ouais. J'ai été tout désigné pour parler un peu de ce chapitre, effectivement, sur le logement. Le 26 mars... Alors, comme dit Bernard, c'est vrai qu'aujourd'hui, un certain nombre de personnes, de locataires, risquent de l'expulsion, mais en même temps, dans la situation que nous vivons, un certain nombre de familles ont des difficultés pour payer le loyer. Et par conséquent, demain, après-demain, vont être peut-être soumises à expulsion aussi. Et c'est vrai que la Commune, elle a très rapidement pris un certain nombre de décisions, et notamment, donc, elle a décrété un certain nombre de choses, et vous avez eu l'affiche sur l'écran. Je veux dire, le 26 mars, la Commune est constituée, et le 29, elle décrète dans un communiqué 5 articles qui concernent particulièrement les locataires. Alors,
C'est peut-être pas trop lisible, je vais vous lire le principal. Sur les 5 articles, il y a la remise générale des termes d'octobre 1870, de janvier et avril 1871. Les sommes payées pendant les 9 mois, éventuellement, seront imputables sur les termes à venir. La remise des sommes dues pour les locataires en garni. Tous les baux sont résiliables et tous congés qui seront donnés seront protégés de 3 mois, pendant 3 mois. Donc, je pense que c'est quand même une avancée très importante dans cette période qu'a vécu Paris pendant les événements, pendant la guerre. Donc, voilà, donc trouver du travail donc, au peuple pour qu'il puisse subsister, hein, qu'il puisse se loger, mais aussi, alors, quelque chose de fondamental pour nous, hein. Et je crois que là, on est pleinement dans ce qu'on est en train de faire, c'est le, je pense que l'éducation hein, qui a vraiment préoccupé la cause commune. Voilà, l'instruction, justement, elle joue un rôle essentiel d'émancipation pour le peuple de la commune. Et tout particulièrement pour les filles qui manquent l'école, pour aider leur mère à la lessive ou faire des ménages. Et là, la place d'un enfant devrait être à l'école, dit Nathalie, l'héroïne de Rouge d'Estampe. Elle n'accepte pas qu'un enfant manque l'école pour travailler. Dans le cri du peuple, Lily Déazike, nos enfants apprendront à lire et ne travailleront plus 15 heures par jour dès l'âge de 8 ans. Alors déjà, aussi, dans ce domaine, hein, il faut savoir que l'école, souvent, est une école privée confessionnelle. Et donc, la commune met une vraie idée de laïcité en avant. Hein. Donc, Nathalie hein, et Louise et Michel hein, veulent ouvrir une école communale laïque et gratuite pour les filles, hein. Y compris gratuite pour les fermetures scolaires, ce que nous avons perdu en partie actuellement. Alors, le délégué à l'enseignement s'appelle Édouard Vaillant, hein, et c'est lui qui essaie d'impulser cette école vraiment laïque, hein, et il créera une école professionnelle d'art industriel pour les jeunes filles. Hein. D'art industriel, pas une école pour apprendre à faire la lessive ou à repasser. Donc on voit déjà que la démarche totalement émancipatrice d'Edouard Vaillant, qui est d'ailleurs resté, même je pense, dans les manuels scolaires. On ne va pas non plus totalement l'effacer. Donc, apprendre à lire, à écrire, à compter et à devenir citoyen. Par contre, alors, il y a un aspect beaucoup plus sombre de la vie sociale qui traverse, je crois, tout le l'ouvrage de Tardy et du cri du peuple et qui est lié au chômage, justement, au manque d'éducation, aux conditions difficiles. C'est la prostitution, quand même assez importante, hein, surtout à Paris, hein, dans certains quartiers. Alors, la commune s'est préoccupée de la prostitution, mais dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, même temps, hein, puisque la misère, elle oblige certaines femmes à se prostituer pour survivre. L'une d'elles, d'ailleurs, pleine de traces de coups, qui dit à Nathalie de Rouges Estampes, hein, « Il faut que je paie mon loyer, j'ai plus rien d'autre que mon corps à vendre. » Mais Nathalie ne juge pas les femmes qui se prostituent pour vivre, mais lui propose à la place de venir faire le ménage, par exemple, à l'école. Et il faut quand même aussi souligner que des hommes s'expriment aussi contre la prostitution. C'est ainsi que le commissaire Raoul, qui dit que ce n'est pas un travail de vendre son corps. L'Union des femmes proposera d'interdire la prostitution. Et par décret du 12 avril, la commune proclame la fermeture des maisons de tolérance en vertu de l'affranchissement de la femme pour sa dignité. Cependant, il faudra attendre la loi Marthe Richard en 1946 pour que soit votée la fermeture des maisons closes. Mais ce n'est pas l'interdiction de la prostitution que réclamait l'Union des femmes. Bon, ben, on a évoqué un peu hein, les personnages, l'atmosphère sociale. Hein. Alors, je pense qu'on a essayé de vous inciter et de vous donner envie de poursuivre, hein, alors, pas isolément, en bande de décider, comme on l'a dit en introduction, hein,
Peut-être, Marine, quelques mots sur un peu plus global sur, donc, voilà. Sur mon ressenti, ce que j'ai appris en lisant voilà. ces albums. Et un participant. Et ben, déjà, ces trois auteurs, enfin, tous ces auteurs, qui ne sont pas seulement trois, nous brossent un portrait très varié de la commune, un portrait vivant, comme il n'y a que la bande dessinée qui peut si bien le faire, où on apprend beaucoup. Et moi, j'ai beaucoup appris, notamment sur la position des artistes, qui m'a beaucoup frappée, avec leur engagement pour les plus pauvres et les figures dont on a déjà parlé, comme Courbet. Et puis, la division des gens de lettres, la véhémente opposition, où je n'avais pas vraiment saisi l'importance, avec les textes vraiment violents, notamment ceux de Zola, comme on le voit dans les données de la commune, quand il dit « On craint que le choléra ne naisse de l'horrible massacre, jusque dans la pourriture, ces misérables nous feront du mal. » C'est des propos qui m'ont vraiment choquée, et autant que les idées engagées et sociales qui avaient été défendues par la commune m'avaient surprise par leur modernité et leur universalité. Pardon. Et je trouve que c'est vraiment des albums qui m'ont beaucoup appris et j'ai beaucoup aimé participer et les lire. Et je vous invite à faire de même. Alors, oui, France, est-ce qu'on peut, comme on nous le présente là souvent, l'historiographie bourgeoise nous présente l'histoire au travers de personnages célèbres. Vous entendez à la radio, on évoque les femmes, femmes fortes. Ah. Non, je crois que l'histoire de la commune, c'est pas ça. L'histoire de la commune, au moins celle traduite par ces trois bandes dessinées, ce n'est pas, alors je dirais quand même, je nuancerais seulement l'histoire de Granzan, ça peut y en avoir aussi, mais c'est aussi surtout l'histoire des petites gens, hommes et femmes du peuple, qui ont voulu croire à un avenir meilleur. Ils construisaient d'ailleurs les barricades en famille, père, mère et les enfants, tout le monde. Et ces bandes dessinées parlaient ça, comme Marine l'a dit d'ailleurs, quel que soit le style, traduit bien la vie et les événements de la commune qui nous font partager de façon, je dirais, plus ludique qu'un livre d'histoire. Voilà. Et moi, j'ai beaucoup apprécié. Et on comprend aussi pourquoi les Versaillais, toujours présents au pouvoir, préfèrent célébrer Napoléon que la commune. Mais comme vous avez pu le voir dans les images projetées, comme je me suis intéressée plus particulièrement au rôle des femmes, ces trois bandes dessinées montrent particulièrement bien la participation des femmes à la commune dans tous les domaines, qu'ils soient sociaux ou y compris les combats de rue. Elles fondent l'Union des femmes, d'ailleurs, pour organiser le travail, soigner les blessés et même se battre si besoin. Parce que bon, pour les femmes, elles ont essentiellement comme fonction, et là aussi quand même, ce sont les soins et la nourriture, rôle habituel des femmes. Par contre, dans ces trois bandes dessinées, rien sur le rôle des femmes dans les instances politiques de la commune. Pourquoi elles n'y participaient pas? C'était le rôle des hommes. Voilà. Comme je le dis, bon, je ne vais pas être jusque-là attirée par les bandes dessinées. J'ai dû relire deux fois le cri du peuple pour que ça m'intéresse, mais j'ai pris vraiment plaisir depuis, et du coup je pense que je vais certainement acheter, par exemple, les bandes dessinées d'Antonio Altarriba sur le fascisme espagnol. Roland, oui, toi tu as globalement... Je l'ai dit tout à l'heure, pour me documenter sur ce qui s'est passé en province, donc j'ai pris les articles du journal Les Droits de l'Homme, j'ai trouvé une mine inépuisable de commentaires sur les événements de Paris, mais aussi tout ce qui se passait en province. Alors, dans le midi, j'ai cité Narbonne, Coursan, Saint-Gosile-de-Putois et Cournon-Terral, mais je pense que, ne serait-ce que sur le département, je pense que plus de la moitié des communes, pour ne pas dire les trois quarts des communes, ont pris une position par rapport à la commune de Paris. Ont adressé des messages à Versailles pour faire cesser ce combat et ainsi de suite. Et donc, moi j'ai commencé, alors
je ne reviendrai pas sur les bandes dessinées, parce que bon, je les ai plus ou moins lues, mais je ne reviendrai pas dessus. Mais je reviendrai sur les articles du journal, parce que je pense avoir laissé encore un certain nombre d'éléments qu'il faudra bien exploiter. Et je retiendrai, moi, que de ce moment de notre histoire, que bien souvent, on ne connaît que de façon très fragmentaire, ça se passe à Paris, le peuple refuse qu'on lui reprenne ses canons, les barricades, le mur des fédérés, on ignore ses répercussions en province. Pourtant, je l'ai rapidement brossé, des villes, des villages, leurs habitants se sont mobilisés avec la même volonté farouche pour plus de démocratie, plus de justice sociale. Si la province n'a pas vécu de semaines sanglantes comme à Paris, la répression n'en a pas été moins forte. De nombreuses personnes ont été arrêtées, emprisonnées, déportées, fusillées. Comment ne pas rendre hommage à tout ce peuple dont la réflexion et l'action ont nourri nombre d'avancées démocratiques et sociales? Comment ne pas s'incliner devant les victimes de ce formidable mouvement? Alors, pourquoi ne pas reprendre à notre compte le souffle de la Commune pour aujourd'hui conquérir de nouveaux droits? C'est la question que je pose. Ouais, bon, vous l'avez peut-être ressenti, ce que nous avons souhaité, c'est d'avoir illustré un peu cette formidable utopie qui a été la Commune, et on peut dire le mythe aussi, qui a été la Commune de Paris et les communes de province. Hein. Être encore acteur, toutes et toutes, d'un monde meilleur, voilà ce qui animait déjà nos aïeux. Hein. Nous avons choisi de l'évoquer par le truchement, on l'a déjà dit, d'un genre peut-être qui vous était pas familier, mais je suis persuadé que vous allez vous y intéresser et que vous poursuivez avec nous ce rêve populaire des communards. Hein. Ça vaut peut-être mieux que bien des commémorations déplacées. Hein. Voilà. Alors, si toutes les idées défendues par ce peuple révolté demeure d'une profonde actualité. Je crois que moi, c'est ce qui m'a le plus frappé, comme tous mes camarades, c'est l'actualité, la Commune de Paris. Et on comprend pourquoi aujourd'hui, certains veulent totalement l'occulter. Comment échapper à l'enthousiasme et à l'humanité des nombreuses évocations qui sont faites à propos de cet événement. Donc, si l'intrigue du cri du peuple, moi, me rapproche plutôt d'Hugo, parce que Hugo, c'est les... Le propos, c'est la démesure, après. Hein. C'est quand même fantastique. Je résisterai pas donc à vous livrer l'appréciation que j'aurais apportée plus tard hein, dans un numéro du 18 mars 1907 de son journal L'Humanité. Hein, ce qu'il écrit sur la Commune de Paris, une révolution de propriété ne s'improvise pas par un coup de main sur le pouvoir. Il faut que l'idée d'un ordre nouveau ait pénétré les consciences et les esprits. Et j'espère que voilà, on ira un tout petit peu contribuer et que vous aussi, vous pourrez contribuer à l'avenir. Aymeric, je crois que bon, on est à peu près resté dans les temps que c'était proposé, c'est-à-dire ne pas trop excéder l'heure de visio. Donc, tu vas nous donner des détails techniques, je crois, et plus pratiques, monsieur. Oui, ben, déjà, merci à tous les camarades, à tous les participants hein, qu'on n'a pas vus, mais qui sont là, qui nous regardent et qui nous écoutent attentivement depuis le début de cette initiative, un peu particulière, avec de nouveaux outils, la visio et tout ça. Hein. C'était pas une heure avant la visio, c'était... On était tendu quand même, hein. On n'était pas tranquille, faut se le dire. En tout cas, moi je pense que c'est une réussite. On va voir après l'enregistrement, hein, ce que ça va donner. Merci en tout cas à Marine qui a pris beaucoup sur son temps et pour venir à nos réunions, pour participer à tout ça. Merci à Roland qui, pareil, a fait pas mal de recherches et qui nous livre les deux très jolis dessins qui sont en train de s'afficher. Voilà. Merci à France pour avoir fait l'effort d'aller vers un média qu'elle ne maîtrisait pas, qu'elle ne
peut-être n'avaient pas spécialement envie au départ de pas spécialement envie d'aller vers la bande dessinée. Merci à Bernard pour avoir animé tout ça de main de maître, hein, encore une fois. Et donc, merci à nos trois organisations qui sont à l'origine de cette initiative. La commission culture de l'Union locale de Montpellier, Loisirs, Solidarité, Retraite de Montpellier, hein, une association qui s'occupe de faire beaucoup, beaucoup de choses à nos camarades retraités. Et puis mon syndicat, la CGT FAP 34, qui a eu l'amabilité de donner les moyens qui m'étaient alloués, les moyens syndicaux qui m'étaient alloués, pour pouvoir un minimum présenter cette initiative. Voilà. Merci encore. Hein. Merci beaucoup. Christophe, qui est derrière. Christophe, qu'on n'a pas vu. Oui, j'oublie Christophe. Ben oui, on ne le voit pas, donc du coup, je l'oublie. Hein. Derrière la caméra. Voilà. Donc Christophe, si tu veux passer devant la caméra quand même, qu'on voit un petit peu... voilà, parce que t'as quand même bossé. Hein. C'était toi qui étais à la caméra. Le voilà. Par contre, il faut que tu te baisses un petit peu, sinon on ne verra pas ta tête. Voilà, super. Merci mes camarades, merci à tous. Sauf des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes aux larmes, des veuves et des orphelins. Paris suinte la misère, les heureux mêmes sont tremblants. La mode est au conseil de guerre et les pavés sont tous sanglants. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront.